Bienvenue à la Galerie Rochefeld, je suis Cyril Garnieri, le directeur de la galerie. Nous sommes heureux de vous présenter l'exposition Dessins de sculpteurs avec quatre artistes de la galerie. Bess Carter qui est anglaise, Francesco Moretti, sculpteur italien, Louis Lutz, sculpteur français et Emmanuel Michel, sculpteur aussi français. Ce que j'ai voulu faire avec cette exposition, c'est de montrer quatre univers bien différents de ces quatre sculpteurs, mais aussi de montrer quelles étaient leurs approches par rapport au dessin. Donc, la Galerie Rochefeld existe depuis 3 ans. Nous avons ouvert il y a 3 ans avec mon associé Gérard Vadenko. Nous présentons plutôt un univers figuratif en peinture et sculpture, et avec une thématique aujourd'hui sur la sculpture et les dessins de sculpteurs. Je présente Emmanuel Michel, qui est français, le plus jeune de ces quatre artistes, puisqu'il a 43 ans. Et lui travaille aussi bien en dessin, en sculpture et même en peinture après des voyages. Donc il organise ses expositions comme des carnets de voyage. Là, par exemple, on vous propose une thématique sur le Madagascar, une thématique sur Cuba et aussi une thématique sur les Indiens d'Amérique. Et vous verrez qu'avec Emmanuel Michel, la sculpture ne sert pas, le dessin ne sert pas à créer la sculpture. Francesco Moretti. Et lui, Francesco Moretti, qui est donc un artiste italien vivant en France, qui a 60 ans, lui va travailler comme le Lutz, son dessin sert à sa sculpture. Lui travaille sur la ligne, sur les puretés des lignes, et il essaie d'apprivoiser le métal, car il travaille toujours avec des feuilles de métal en pliage, très intéressant, en essayant toujours d'amener un sujet figuratif à l'intérieur. Bess Carter, c'est une artiste anglaise de 45 ans qui présente des sculptures autour de la mythologie, autour avec son Minotaure, et qui présente aussi un univers très onirique lié aux rêves, aux cauchemars, et qui propose des dessins sur une approche liée à sa conception, son travail, mais pas du tout liée à la préparation des œuvres sculpturales. Donc c'était ça que je voulais mettre en avant, c'était cette corrélation entre le dessin et la sculpture. Passer sur l'univers de Louis Lutz, qui est un premier Grand Prix de Rome 1964, et qui lui travaille sur son dessin en préparatoire. C'est-à-dire qu'il va se servir de ses dessins pour créer sa sculpture. Donc c'est plutôt un moyen d'appui pour ensuite travailler sa sculpture. Et lui travaille, sa thématique principale depuis toujours, en fait, c'est la recherche de la liberté. À travers la liberté de l'homme, d'où tous ses liens, ses cages, ses muscles saillants et toute cette tension qu'on ressent. Le but est de rechercher la liberté.